Donc voilà, je suis en train de créer pour le duel Radamante Paladin Udraziel. Ça va chauffer, ça c'est bon. Ouais. Alors il est où? Déjà on recherche les signes de l'inquisition parce qu'il n'y en a pas des masses. Le voilà. D'ailleurs, ce symbole, au final, en fait, on s'est retrouvé à le piquer à un vrai groupe qui avait pour but à l'époque, on l'avait créé à l'époque pour lister tous les cheaters en fait du jeu. D'accord, donc Mais qu'en ce... fait, les cheaters restent souvent pas très longtemps en jeu, etc. Machin, ils arrêtent assez vite les jeux qu'ils défoncent. En fait, très vite, puis ça servait à rien, personne ne lisait et tout, donc on a laissé tomber. Le groupe a été s'est fait sauter. Et en fait, je crois qu'on a gardé. Il doit encore y avoir un ou deux connards qui portent le tag parce qu'il est stylé, mais du coup on l'a récupéré en fait, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, sans aucune raison. Je crois que c'est les mecs qui ont commencé à rejoindre après qui sont mis à le mettre. Mais on devrait pas l'avoir. Et du coup on a le petit id d'Inquisition qui est un peu stylé. Bah tant mieux. Est-ce que ça te dérange si on part sur Manufactorum? Bon, bah, il n'y a pas de souci. Non, Non, voilà te casse pas ça. par. Je suis désolé, hein, mais Merde. Voilà. je n'ai pas de préférence de map particulière, on va dire. Ok, est-ce que tu es prêt? Affirmatoire. Affirmatoire. Bon, bah si c'est affirmatoire, c'est que c'est pas du péremptoire. Après, je te dis ça de façon péremptoire. Hein. Je suis affirmatoire. Oui, péremptoire par rapport au Voilà. sol. Après, à toi de. Voilà. Le côté contondant. Ah, c'est à toi. Le capitaine, je m'en souviens plus tellement c'est con ce truc. Les mecs qui battent à coups de navet, là, Ah. planche de pied de navet ou je sais plus quoi là. C'est ça. La partie sporadique. Alors, la partie sporadique. Putain, c'est ça. Oups! Non, frère. Non, frère. Non, frère. Ok! Putain, les connards! Je t'ai vu, je t'ai vu arriver, j'ai fait bon allez. Ouais, je sais bien, mais j'y croyais pas, je me suis dit, ça va passer et tout. Puis vraiment, je lance le saut, je vois ton perso qui se touche le bras, qui se met la drogue, et là, je fais merde. Ah, dur. Bon. Avec un peu de chance, t'en as pas muté sur mon cadavre. Aïe 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 aïe. Mais c'est quoi ce saut Ouais. là, ce demi-tour là? Faut que je sache le faire. Bah écoute, je peux t'apprendre si tu veux. C'est très très. C'est excessivement utile. Ouais, Parce que bah comme il n'y a après. que deux charges en fait, il n'y a que deux charges différentes possibles, c'est bien de connaître toutes les variations de ces différentes charges. Et celle-là est quand même particulièrement utile en l'occurrence. Ça permet de faire des moves effectivement qui paraissent complètement lagués, mais qui ne sont pas du tout en fait. Mais... Ouais, change pas. En fait, ça donne l'impression que ton perso se TP, et pas du tout en fait, c'est juste que le jeu ne supporte pas le fait que ton perso se retourne d'un coup. Et du coup, en fait, ton perso ne. Y a pas de frame de retournement en fait. Le perso juste enfin, au milieu de sa charge va se retrouver dans l'autre sens. D'accord. C'est très fort. Hein. C'est très fort le Roquefort. Fort. Ok! Je te préviens, je vais faire comme contre Andro, hein. Moi les lasers je sais pas les gérer. Donc tu vas me buter. Voilà. Et je vais sortir le marteau. J'aime pas les lasers, j'aime pas les lasers. Le marteau c'est arme de con. T'aimes bien les lasers, mais pas les lasers. C'est ça. Mais non, en plus Andro, genre qui aime pas que je joue au marteau, tu sais, qui est là, mais c'est pas ton mail et tout. Enfin, bah non, frère, mais il y a un moment, sur le counter, enfin, on a passé 80 heures, enfin, on a vraiment dû passer genre 80 ou 100 heures à duel juste l'un contre l'autre sur nos mains. À Ouais. savoir, moi, mon assaut, t'es toi, ton laser, t'as juste appris à me full counter. Je vais évidemment pas jouer le main. Comme il a jamais appris à counter les marteaux, bah. Bon, faut que tu sortes ton cul après quand même, hein. Je ne sais pas où t'es. Je suppose qu'il est si je te vois. Alors. Piu piu piu.
va être long cette game. On se tourne autour. Alors, t'es où? Ah non, moi je t'ai perdu, moi. Je sais pas où t'es, moi. Mais moi je sais où tu es, enfin je t'entends. Ah, je suis au milieu là. Ah. Et... C'était d'une tête. Ouais, c'était une tête ça. Le laser passe à travers certains objets, ouais. Certains objets, ouais. Non! Oh, je suis daube au marteau! Ah, des fois, la portée c'est hallucinant. Des fois, tu dis ça touche pas et finalement ça touche. Et des fois, c'est l'inverse. Non, mais tous les bugs en fait de portée du marteau, c'est juste que le marteau, techniquement, il touche. C'est plus que quand le mec a peut prendre ses régies en fait ailleurs, bah, le marteau considère qu'il a touché, sauf que bah, comme ça lag, bah, ça ne touche pas vraiment en fait. Oh ta mère! Non, je me casse, c'est bon. Ah, mais... Arrête de bouger, putain. Putain, mais... Je te rends compte que tu gères beaucoup mieux les lasers que Andro, là. Quoi? Et les marteaux que Andro. Mais c'est un truc de ouf. Mec, je suis hyper sérieux par contre. Contre les marteaux, t'es un bien meilleur laser qu'Andro, hein. C'est un pétage de câble. Alors, avec tous les devas, enfin, c'est surtout avec le plasma canon, j'ai appris à me déplacer en fonction de l'assaut pour éviter justement. Lui, il veut atterrir dans mon dos, mais moi, je fais en sorte d'être dans son dos avant lui. Ouais, ouais. Non, mais clairement, c'est un truc qu'Andro a pas encore compris, mais ce que je pas encore appris. Mais putain, je suis impressionné en vrai, hein. Je pensais vraiment pas que tu me cassais autant les couilles. Pour dire ça en tout bien tout à l'heure. Fuck. Il va falloir que je joue sérieusement au marteau là. Fuck, j'ai pas envie. Arme de con, marteau. Je t'ai perdu donc je sais pas où t'es. Voilà, moi je suis au milieu, je me balade. Merde. En direction. En fait, il va me falloir des amours. Je sais pas où t'es. Il va me falloir de l'amour là. Je ne te vois pas. J'ai vu un de tes lasers partir, j'ai pas réussi à te voir. Putain. Oh putain. Ah, j'y croyais. Tu prends pas les coups de marteau là? Putain la vache, comment je vais pouvoir te gérer? Tu vas me péter les couilles, voilà. Ok, j'ai compris. Moi, contre le laser, j'ai deux solutions. Le primo, c'est le Space Marine d'assaut avec le marteau. Le deuxième, c'est le plasma lourd. Tu vois par exemple... Je vais pas jouer au plasma lourd et le marteau ne fonctionne pas. Tu vois par exemple, Val 64, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup qui... sur cette map. Oh non! Mais comment ça va se passer, ça? Putain, mais genre, ça passe pas... Bon, par contre, effectivement, en tant qu'assaut, t'as proprement parlé, t'es pas incroyable. En tant que dev, pardon, t'as proprement parlé, t'es pas incroyable. Enfin, il te manque, enfin, de ce que je sais, du peu que je sais des devs, hein, qui ont quand même pas mal de concurrence, il te manque tous les... Oula! Ouh, ça lag du cul. Fichtre. Hashtag Paymaco. Non, j'ai fait de la merde. Bon, mais je vais perdre, bordel de merde, où ça va là, dans 6-3 Bon. Est-ce que
que t'es. What? Oh la charge foirée, j'y crois pas. Oh la charge foirée à cette distance. Oh ça fait mal au cul, bien joué. Ah terrible. Mais... tu crèves, ouais? Ça m'arrive de temps en temps. Ah. Je me tape des petites TP en vrai, t'as une bonne co ou pas toi? Alors, j'ai la fibre, ouais. Et... je suis en pleine campagne. Ouais. Mais moi je suis en pleine ville mais j'ai pas la fibre. Moi je sais que j'ai une mauvaise call, mais là je me tape des micro TP avec toi. Enfin tu te tapes des micro TP plutôt. Mais bon en l'occurrence c'est peut-être que ma soeur s'est mise à ADF ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Nice. Ça fait longtemps que t'as joué contre Andrew ou pas? Franchement, la partie qu'on avait fait tous ensemble, toi, Andrew et moi, c'est la partie buggée. Ouais, parce que là, enfin, j'ai l'impression qu'il te sous-estime encore énormément en fait, parce qu'on parlait hier soir du nouveau général du clan, etc. Et il avait comme l'air de considérer que t'étais plutôt un des plus nuls, et enfin, on a un niveau qui est... on a un niveau moyen qui est quand même très élevé, mais ta mère, non? Mais non. Bon, je vois pas très bien pourquoi il pense ça en fait. Charge furieuse? Ouais, charge furieuse. Ah oui, faut pas déconner. Ouais. Mais non, non, bref, hein, bon, ton laser du coup est clairement pas ouf, sauf contre les assauts. Effectivement, je suis assez impressionné. Ton tank est carrément bleu pour l'instant. Et ton assaut, je m'en souviens pas. L'assaut t'es pas ouf. Comme le deuxième. C'est très simple. Pour moi, l'assaut, tu me retires le pistolet, tu mets deux épées énergétiques, ça me va. Bah j'ai vu ça, ouais. C'est lui, ça rien. Ah mais je t'ai perdu, je suis nul, bon bah. Ce genre de grenade de pute. Non. Je refuse. Tu te planques? Comme quoi? Tu m'as donné deux coups d'épée ou tu m'as chargé? Ah non, non, j'ai... non, non, j'ai stomp et deux coups d'épée. Normalement quand je enfin, en fait j'aurais chargé si je savais que j'aurais pas réussi à te toucher. Ou sinon si t'avais eu le temps de partir, je t'aurais mis un coup d'épée au ras du cul, tu serais parti et je t'aurais tiré dessus. What? Ah putain. J'ai tenté de te mettre le pistolet, hein. Dommage. Belle backhand là pour le coup. Je te remercie. Est-ce que
Et là, sur l'animation, en fait, si tu veux, j'ai vu les deux premiers coups d'épée. J'ai pas vu le stun. Bah, ouais. C'est pas, c'est pas un peu de lag. What? Comment? Alors j'ai bien vu y avec ton Walker, mais quand tu te déplaces avec l'épée, tu... ça fait ouais, ouais. Mini skill. Ouais, non, non, mais là c'est surtout en fait que genre l'épée va buter à une distance assez peu autorisée. Du coup, on va arrêter le pistolet, hein. C'est rigolo, mais manifestement ça ne fonctionne pas. Je m'en sers vraiment pas, enfin je sais pas, je m'en sers pas assez bien en fait de ce truc, je m'en sers beaucoup mais je m'en sers mal. Va te faire foutre. Ce genre de grenade, putain. Je te jure. Ah, casse-toi, casse-toi. Yes, non. Non, non, ta mère, pas deux fois. TDR. Nice, ça va être full. Ça va être fun. Est-ce que tu connais le problème là de la situation actuelle? C'est que tu vas fuir, je vais te courir après. Non, c'est qu'on a l'air à se régénérer ta punition. On est à combien là par curiosité? 275. De munitions? Ouais. Menteur. 175. Ah, 175, hein, j'ai compris 75. 175. Ouais, ouais, justement, j'ai compris. Enfin, je me suis dit, ok, il me prend pas en compte. Piu. Non. Oh. Oh là là! Hmm.
Ok. Je fais un petit 1% là. Ouais, bon. Bon réflexe de continuer à avancer. Ça m'empêchait de te choper à la charge. T'es mieux que tu parles juste pas. Je suis concentré, je parle pas beaucoup. Ouais, c'est pour ça, désolé. Mais non, t'inquiète. Ça, je te le mets pas, quoi. Yes. Bah, j'ai aucune de mes charges qui passe. T'as pas le même problème que chez, j'espère. Quoi? J'espère que t'auras pas le même problème que chez. Que Shade. Non, moi c'est clairement que tu les échappes de la merde, genre c'est moi qui fais de la merde, là, clairement, y'a pas de secret. Mais là, pareil, putain, pourquoi ça lance pas une charge? Bref, ouais, non mais clairement c'est moi qui fais de la merde, avec ton frère je me plains, mais clairement si je me suis déchauffé là. Je me suis déchauffé, j'ai complètement perdu mon mojo là. Ça. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'arrive plus à rien comme ça. C'est rageant. Mais genre,
Voilà. Putain, j'en ai au moins une qui passe, quoi, je sais pas. Quel enfer. Bon, faut que j'arrête de jouer charge contre toi, c'est ça? C'est marrant en fait, t'as un réflexe juste après avoir spawn de toujours t'écarter. Et du coup je pense que c'est ça en fait qui fait que je galère. Non! Ah salope, j'y crois pas! Oh j'y crois pas, putain, je retage. Oh je putain. Ah je déconne, ouais. Ah, j'aurais dû te mettre une balle en fait, parce que t'étais plus d'être à 11% du coup, et je te mettais une balle dans le dos, et t'étais fini. Et en fait, au moment où j'ai tendu le gun, j'ai dû recharger. Ah. Mais je t'ai vu partir, je t'ai suivi, et en te suivant, je te vois régène. Ah putain, l'enfer. Ah, j'ai grave le seum. What? Les backends qui partent pas, enfin qui partent, j'en ai, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'elle partait d'elle en fait. Ah putain, mais tu me colles au cul, c'est impressionnant. Hein. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi bon, genre, je te jure. Enfin, autant ça faisait. Enfin, je crois qu'on a jamais tué là en fait. Une fois, je crois. Ah, mais c'est archi longtemps, genre. Mais enfin, bref, ça fait un bout de temps que je vois train et tout, justement. Et Andrew qui me disait non non Hydra machin il rend, enfin il est vraiment pas ouf, c'est un petit 6 et tout. Frère comme ça What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Phew. Et non non attends. Ouais j'ai vu ça, ouais. Mais tu gères trop vite en fait, ça le secret si tu veux. Le secret en fait pour le pistol c'est vraiment de pas tirer trop vite. Et normalement en fait le bon rythme entre chaque balle, il faut que t'attendes que ton viseur là il revienne au milieu, tu sais, que tes 4 bitonios ils reviennent le plus de centre possible. Parce qu'en fait plus les bitonios sont éloignés du centre, tu sais, plus tes balles elles vont partir n'importe où. Non. Et ouais. Oui, non, mais là, clairement, bon, quand c'est à deux dans un couloir, dans les escaliers, tu vas pas charger. Allez, bien. Salope! Ah putain, genre j'ai manqué ça. Putain, Tanaïd est mis à 2%, genre. Parfait. Tu m'as mis une balle dans le dos, après ça j'étais fini. Ouais. Oula. Ok, je pensais que t'étais pas du tout ici. Putain. GG, bordel de merde. Putain, j'aurais jamais imaginé que tu mettes un 26. Pfff. Oh putain.
Après, c'est vrai que quand j'ai. Comment? La première fois que j'ai fait le Herald of Glory, c'était la première fois, donc il fallait travailler en équipe. Donc, c'est un nouveau concept pour moi. Et en plus, Ouais, dans mon équipe, je suis une bite aussi, t'inquiète. l'esprit d'équipe, Problème. c'est On va travailler. un esprit pour une équipe, c'est pas moi qui l'ai. Ouais, non, Mais non. à la limite, le seul truc Mais que ça je fais va. avec le seul truc que je fais en équipe, c'est qu'il y en a un qui sert de d'appât et moi je tourne par derrière. Hein? Non, mais clairement. Non, mais on va se trouver des petites strats, etc. Machin, en équipe, on a le temps là maintenant, donc on va voir ça un peu, c'est sympa.